Voici un programme qui parle de la philosophie de ma classe, mais il est possible d'utiliser les mêmes commandes afin de créer n'importe quelle autre affiche. Donc voici ma table de travail. Ce premier personnage va dessiner le fond et l'autre personnage va dessiner les lignes qui sont sur les titres. Nous utilisons le clavier français. Et nous utilisons aussi le clavier avec les caractères emoji afin d'intégrer tout ça dans notre programme. Donc, ce personnage-ci va dessiner le fond. Donc, j'ai appelé mon habilité « Fond ». Et dans cette habilité, nous allons avoir trois commandes. Donc, la première commande, puisque je fais une affiche, je veux rendre mon caractère invisible. Donc, j'utilise la commande Set Invisibility 100%. Donc, notre personnage va être rendu 100% invisible. Par la suite, je vais dessiner la ligne de fond. Donc, c'est une ligne qui est très large. Et ça va faire un petit point, mais qui est tellement large que ça va remplir tout l'écran de couleur vert. Le titre consiste de deux lignes, une bleue et une rose. Donc, le personnage va dessiner les titres. On le rend premièrement invisible pour rendre notre affiche très jolie. Ensuite, nous allons positionner notre personnage au début de la ligne. Donc, au début de la ligne à X50, Y700 et de nous allons dessiner une ligne rose de 100 unités de large et 800 unités de long. À la position X 350, Y 200, nous allons dessiner une ligne bleue d'une largeur de 100 unités et d'une longueur de 300 unités. Donc, il est possible, si vous, avant de programmer, de touchez votre caractère et vous allez voir des positions sur l'écran. Donc, c'est très facile de trouver. Vous n'avez seulement qu'à bouger votre caractère sur l'écran et vous allez voir des positions X et Y. Notez ici la position X et Y actuelle de notre personnage. Avec ces quelques commandes, vous pouvez créer des affiches très innovatrices.